Bonjour à tous, ça c'est Sim Babo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 17 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la promulgation d'une célèbre loi, hein, je ne pouvais pas ne pas en parler, la loi Veil, hein, relative à l'IVG, vous le savez, hein, une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France, préparée par Simone Veil, donc ministre de la Santé, évidemment, et durant donc le début de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, il faut savoir qu'en fait, dès la fin des années 60, hein, il y avait pas mal de plus en plus de débats, hein, sur l'avortement, hein, donc voilà, il y avait pas mal de manifestes, où il y avait le procès de Bobigny aussi, où il y avait voilà une fille mineure de 16 ans qui s'était faite violer et qui avait été jugé pour ça, et du coup ça avait fait une grande polémique, et du coup bah avec l'arrivée de Giscard au pouvoir, et bah donc on a une grande loi, voilà, qui va changer beaucoup de choses, et donc on a la dépénalisation de l'avortement, et il faut savoir que c'est la loi, donc la loi Veil, c'est une dépénalisation de l'avortement juste pour 5 ans. À la base c'était juste, voilà, à titre expérimental, et bien, évidemment après ça a été avancé, mais donc voilà, une loi évidemment très importante, hein, parce qu'elle permet donc aux femmes d'avorter en cas de grossesse non désirée, évidemment, pour X raisons, et donc voilà, évidemment, quelque chose qui est très important, hein, et qui a qui est un grand événement, évidemment, dans l'histoire du féminisme, hein, évidemment, aussi événement, voilà, très important pour Simone Veil, hein, évidemment, qui a fait d'elle donc une femme très connue, puis aussi pour Valéry Giscard d'Estaing, évidemment, qui marque bien un grand début de mandat, donc voilà, une loi très importante, hein, évidemment, et connue par tous, à retenir. Mais est-ce que vous connaissez, hein, l'anniversaire donc de l'élection présidentielle française de 1920 qui fête pile ses 100 ans. Donc alors il faut savoir qu'en 1920, Georges Clemenceau était très populaire, évidemment, et c'était le président du Conseil qui avait remporté la guerre, tout ça, et il désirait se présenter à l'élection présidentielle de 1920. Sauf que Clemenceau, comme il était un peu le melon, quoi, il avait décidé de se moquer d'Aristide Briand, donc voilà, qui était plus au centre-gauche. Et du coup, Briand, il a ragé, il a décidé de tout faire en sorte pour que ce soit pas Clemenceau qui gagne. Et du coup, bah en fait, il a dit aux gens de gauche, ouais, vous vous souvenez de Clemenceau quand il fusillait des gens, c'était horrible. Puis il a dit aux gens de droite, ouais, Clemenceau, c'est un anticlérical, c'est un gros connard, il déteste la religion, ce qui n'était pas faux non plus. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, au centre donc du groupe parlementaire, hein, évidemment, donc des Républicains, et bah, qu'est-ce qui se passe? On a un vote qui est fait pour savoir qui va se présenter à l'élection. Paul Deschanel, donc, il était au Sénat contre Clemenceau, et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est Deschanel qui gagne à 408 contre 399, donc coup dur pour Clemenceau, qui arrête sa carrière politique, de toute façon, il avait déjà 78 ans, et du coup, c'est Deschanel qui est élu président de la République française, hein, évidemment, voilà, 84% des voix, mais il faut savoir qu'il va pas rester longtemps du tout, parce qu'en fait, Deschanel, c'était un type très bizarre, hein, évidemment, qui avait certaines maladies mentales, hein, il avait une dépression, et du coup, bah, qu'en fait, à un moment, il a eu un accident de train, et vraiment, enfin, il est pas du tout resté longtemps, voilà, juste 7 mois, puis ensuite, il est vite parti, il est mort un an plus tard, donc coup dur pour Deschanel aussi, mais donc voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, Patrice Lumumba, donc qui est assassiné donc le 17 janvier 1961. Et ouais, donc 40 ans avant évidemment Laurent Désiré Kabila, on avait déjà un homme politique congolais très important qui est mort, parce que vous le savez sûrement, mais Lumumba donc a été un homme très important donc dans l'indépendance du Congo, évidemment, donc à la fin des années 50. Puis ensuite, donc il était premier ministre du Congo donc pendant deux mois durant la crise congolaise. Il faut savoir que l'histoire du Congo est quand même très compliquée, parce que là c'était le Congo contre des indépendantistes, puis on avait aussi les États-Unis et l'URSS qui étaient là, donc évidemment un gros bordel. Puis Lumumba s'entendait pas trop avec le président, et du coup on a donc évidemment Joseph Désiré Mobutu. Dès 1960, il arrive, il fait un coup d'État, soutenu par la CIA, et il prend le pouvoir. Du coup Lumumba, il est assigné en résidence, et ensuite bah en fait il est livré aux indépendantistes, voilà, katangais, et du coup là avec quelques-uns de ses partisans, il est humilié, ligoté, torturé, donc voilà, un truc plutôt horrible. Puis ensuite son corps sera dissous, donc vraiment un truc horrible, quoi. Et donc Lumumba, c'est vraiment l'image de l'homme politique indépendantiste africain, voilà, qui s'est fait assassiner donc avec les États-Unis, évidemment, qui ont eu une influence, aussi les Belges, donc voilà, un coup dur pour l'Afrique, hein, évidemment, et coup dur pour le Congo. Donc voilà, les trois événements du jour. Donc on a la dépénalisation de l'avortement, loi Veil, hein, évidemment, en 1975. On a l'élection présidentielle française de janvier 1920, et on a donc la mort de Patrice Lumumba en 1961. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.